Marie, oui. Ce bananier cassé avec le gros régime là, je pense que c'est vraiment une grosse perte. Est-ce que tu penses qu'on peut faire quelque chose par rapport à ça? Ah, viens, on va demander. D'accord. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour. On a vu que vous avez attaché la ficelle en haut du bananier, pas trop serré, et que vous avez tiré à l'opposé du régime. Pourquoi cette technique? Le haubanage, oui, c'est une technique qui permet de protéger le régime, d'accord, que ça ne se casse pas à la floraison. Le matériel que j'utilise, c'est les ficelles. Mm-hmm. Hein, les ficelles comme ça, parce qu'il y en a qui peuvent utiliser même des bambous. Mais comme le bambou, c'est coûteux, moi je préfère utiliser tout simplement les ficelles pour haubaner. Donc ce que je dois faire, c'est que, en plus de la ficelle, j'utilise le pic qui va me permettre de ce qu'on appelle le tubage. Vous voyez que, voilà comment j'évolue. Pour me rassurer, c'est un angle, un triangle qui se constitue là. Ça m'oriente alors par rapport à la position où je dois fixer les tuteurs. Donc je commence d'abord ici, je prends là, mon pic est un peu taillé. Ça me permet de sortir la ficelle comme ça. Quand j'ai sorti comme ça, je fais un nœud coulissant de ce côté d'abord, à un niveau. Je fais un nœud coulissant comme ça. Je le prends, je le mets là. Je tire. Quand je le tire, je fais un autre nœud coulissant ici. Je viens ici, je fais le même geste. J'envoie mon pic. Je prends la ficelle. Je fais un autre nœud coulissant. Je tire. Je le ramène là. Je le ramène. Et mon bananier est haubané. Vous voyez, ça ne donne pas ici. Je dois de tel sorte à la fin. Quand je tape là, ça grince comme si c'était l'école de la guitare. D'accord. Donc ça doit laisser un son comme ça. Ah, c'est bizarre. Donc quand ce n'est pas là, il va falloir que j'essaye encore de tirer un peu plus ici. Donc en principe, c'est ça en quoi consiste le haubanage. Et si on n'a pas un bananier là, qu'est-ce qu'on fait? Si on n'a pas un bananier ici, j'utilise c'est ce qu'on appelle pieux là. Il s'agit d'un morceau de bambou que j'ai coupé au niveau du nœud du bambou là. J'ai taillé un peu. Il suffit juste de faire comme ça. S'il n'y a pas un bananier ici, je le place là. Avec le même geste, je le passe par le petit trou. Hop, et ça revient à la même chose. D'accord. Okay. Voilà. Donc, à la place du bananier, je peux utiliser un pieu. D'accord. Voilà. Et tout à l'heure aussi, vous avez parlé de l'utilisation des bambous. Ça se passe comment? Non, pour l'utilisation de bambous, c'est quand on fait le tuteurage, qu'on utilise les bambous. Or, comme moi, je fais rien que du banal dans mon champ, ce serait mieux de vous rapprocher de mes collègues. Alors, monsieur Michel, Donasson et moi, on aimerait bien savoir comment choisir entre ces deux techniques.
nous avons opté de choisir le tuturage vertical avec bambou. Ici, nous n'avons pas de problème de bambou. Nous sommes entourés de bambou. Donc, nous sommes entourés de bambou. On n'a qu'à couper un jour et puis le lendemain, on transporte pour les distribuer comme on l'a fait ici. Là. D'accord. Ouais, vous voyez, les bambous sont déjà positionnés. Où ils sont positionnés, là, ils sont près des bananiers fleuris. D'accord. Voilà. Là, c'est moins cher puisqu'on ne va pas transporter ces bambous-là avec un tracteur loin pour venir avec ça. C'est très moins cher. D'accord. Voilà. Et comment on fait? Avec un ciseau, on creuse. On fait une trouaison à profondeur de 50 à 60 cm de profondeur. D'accord. Voilà. Mais surtout, il faut chercher à savoir où le régime est tombé. Okay. Tu ne peux pas prendre ce bambou-là pour aller le placer en bas de bambou. Ça va gratter les doigts du régime. Ouais. Je vais vous montrer comment il faut placer le bambou. Voilà, c'est comme ça. D'accord. Et avec, pas les ciseaux, mais avec un bois, on prend pour damer. Maintenant, je prends l'échelle. Je monte à l'échelle pour attacher. Voilà. Comme ça. Pas trop serré et ça finit. Ah, c'est bien solide là. Non, ça peut rien faire, ça peut pas tomber. Okay. On nous a dit la dernière fois que faire le aubanage et le tuturage pouvaient permettre de réduire la chute des bananiers. Ah, mais regarde, il n'y a plus de fleurs. Pourquoi le producteur les a enlevées? Là, je ne sais vraiment pas. Mais peut-être Dr Delès pourra mieux nous expliquer. Oui. Vous m'avez posé une question sur la popote. Mm-hmm. Voici un bon exemple ici. D'accord. Je vais vous parler de la popote. D'accord. Enlever la popote permet d'augmenter la grosseur des fruits et également le poids des régimes. Mm-hmm. Alors il faut savoir que cette opération concerne uniquement les variétés de type French. Ah, d'accord. Comme ce régime que vous voyez là. Voilà, parce que les types French ont une popote qui reste persistante jusqu'à la récolte. Mm-hmm. Il faut enlever la popote. Alors les autres variétés comme les Faucon par exemple, il n'y a pas de question, il ne s'agit pas d'enlever, faut pas enlever la popote parce que la popote va dégénérer avant la maturité. Alors quand il faut enlever la popote et comment? Alors généralement pour enlever la popote, il faut attendre entre une semaine et 10 jours lorsque la dernière main est sortie. Alors et comment? Pour enlever la popote, on peut utiliser soit un bâton ou on peut enlever carrément la popote avec la main. Avec la main. Mais il faut prendre soin de laisser un espace de 20 cm sur le racine entre la dernière main sortie et la partie là où on coupe la popote. D'accord, okay. D'accord. Bon, venez, je vais vous confier aux techniciens qui vont vous donner des informations quand et comment il faut récolter votre régime lorsqu'il atteint sa maturité. Merci. Monsieur Mira? Oui. Quand est-ce que je dois récolter? Après tête de cheval, on attend que 11 à 14 semaines pour pouvoir récolter. Et ça, c'est en fonction du temps. S'il fait chaud, vous récoltez plus tôt. S'il fait froid, vous récoltez un peu plus tardivement. D'accord. Monsieur Mela, oui? Comment reconnaître qu'un régime a atteint la maturité de récolte? Pour reconnaître qu'un régime a atteint la maturité de récolte, nous, on regarde les arrêts des doigts. Oui. C'est très ce que tu vois sur le doigt. Oui, là, je sais bien. C'est très quand ça commence à disparaître progressivement, ça montre le remplissage du doigt. Il faut que ces traits-là disparaissent. Et si vous voulez faire le marché, ça dépend de la position de votre marché. D'accord.
Si votre marché est lointain, n'attendez pas que les doigts, que ces arrêts-là finissent totalement. Et si votre marché est tout à fait proche, vous pouvez encore attendre pour que ces arrêts finissent et le doigt va passer, va changer de maturité, ça va devenir jaune. Ok. Oui. Allô Marie, hier j'ai appris quand et comment récolter. Est-ce qu'on peut se rejoindre pour aller voir comment s'organiser la récolte sur une parcelle tout entière? Ok, d'accord, j'arrive. Monsieur Kanga, comment planifiez-vous la récolte dans votre parcelle? Oui, si vous avez votre plantation installée, vous commencez à d'abord observer pour voir est-ce que la fleur est sortie. La fleur sort et en ce moment, vous avez une programmation entre 10 à 12 à 13 semaines. 13 semaines. Voilà. En ce moment, vous, déjà, vous marquez le comptage. D'accord. Vous prenez votre cahier, vous comptez le nombre de fleurs qui est sorti. Vous mettez les dates. En fonction de ça, maintenant, vous allez pouvoir savoir que 10 semaines, 13 semaines, quelles sont les bananes que j'ai marquées 7 ou 7 semaines pour pouvoir programmer un peu la récolte. D'accord. Et voilà. Chaque semaine doit avoir une lanière. La lanière, ce sont des marques que vous mettez, n'importe quelle marque, ça peut être peut-être un cordeau comme ça, oui, que oui. Vous attachez au bananier. Mm-hmm. Vous dites que bon voilà, j'attache le bananier à telle semaine, semaine 1 par exemple, vous mettez la date dans votre cahier. Et 10 à 13 semaines, vous savez que les couleurs bleues que vous avez marquées sont des régimes que vous devez récolter. Monsieur Meda, oui. Comment on coupe un régime? Pour couper un régime de plantain, nous on fait l'entaille le plus haut possible. Oui. Comme je le fais là, cette entaille va permettre au bananier de descendre doucement, sans toutefois l'abîmer. Je le prends là et je le descends doucement. Une fois arrivé à ce niveau, je dois couper le régime et le déposer tout en nettoyant les feuilles. D'accord. Sans toutefois abîmer mon régime, je le dépose de côté, même sur la feuille que je viens de couper. Le régime étant coupé, il me reste à nettoyer le feutron. Voilà. Pourquoi ne pas couper complètement le feutron? Ce feutron, étant laissé à ce niveau, permet au rejet successeur ça le continue à le nourrir et que la prochaine floraison soit plus rapide. Puisque lui, il reste encore l'enfant de sa mère, bien que la main soit morte. Alors, M. Konga, pour le transport, qu'est-ce que vous nous conseillez? Oui, c'est très important le transport de la banane plantain. D'accord. Et il faut vraiment éviter que les régimes soient beaucoup choqués. Mm-hmm. Et pour ça, moi, ici en plantation, je d'abord utilise les feuilles secs que vous voyez pour me préparer le lit de dépôt des régimes. Mm-hmm. Ça vous permet d'éviter le contact direct avec le sol pour ne pas noircir les fruits. D'accord. Voilà. Vous allez voir même déjà comment les femmes ici transportent la banane, mm-hmm. la manière de tenir le régime pour éviter que la sève coule directement sur les doigts pour les noircir, uh-huh, et uh-huh. comment aussi poser le régime pour éviter les grands chocs. D'accord. Pour pas venir déposer la banane en vrac, vous voyez comment elle a porté le régime. Là, c'est de façon intéressante pour ne pas que la sève coule sur le régime. Vous voyez comment ça se passe? Ouais. Et généralement, les planteurs essaient de vendre la banane sur les régimes. Mm-hmm. Voilà, c'est quand même intéressant. Vous allez voir la jeune dame qui va faire le dépatage. Vous voyez comment elle va faire. Voilà, comme ça. Et c'est carrément mis dans la bassine pour éviter encore que la sève ne coule. Voilà. Là, vous gardez l'éclat des doigts de banane. Mm-hmm. Et vous évitez aussi vraiment les chocs. Et je le vends comme ça au kilo dans les grands magasins. Est-ce qu'on doit mélanger les différentes variétés, les différentes couleurs de bananes? Si on a du jaune et du vert, est-ce qu'on doit les mélanger ensemble? Oh non, pas du tout. Il faut éviter que la banane déjà à l'état mûr mm-hmm. soit mélangée avec la banane verte.
Parce que quand vous mélangez les deux, ça va provoquer le mûrissement précoce des autres. Le gaz que la banane mûre dégage va provoquer le mûrissement de la banane verte. Il faut toujours les séparer. Et il faut les mettre en caisse, bien rangées, pour vraiment garder l'éclat. Ah, donc si je comprends bien, oui. Si je prends soin de mes bananes, oui. À la récolte et pendant le transport, j'aurai de fruits de meilleure qualité, avec une bonne conservation, et je pourrai les vendre encore bien. Plus cher. Encore plus cher. Et vous voyez, là, vous avez maintenant une deuxième caisse. Voilà. La caisse n'est pas aussi trop pleine. Nous faisons des caisses de 10 à 12 kg. Et nous, nous proposons les caisses comme ça dans le véhicule pour éviter que la banane qui est au bas de la première caisse soit vraiment choquée. Voilà. Vous voyez comment c'est le travail se fait. La qualité des fruits, c'est très important pour la commercialisation. Vous aussi, prenez soin de vos fruits.